non plus fait une grande nuit, mais bon, c'était quand même mieux. Je me suis réveillé peu de fois et voilà, donc c'est de bonne augure, ça progresse. Est-ce que t'as pensé à l'abandon hier? Enfin, t'étais pas loin à un moment ou... J'étais plus à pas prendre le départ du tout, parce que j'étais vraiment pas bien. Ouais, hier matin, on t'a vu. Ça s'est amélioré quand même un peu. Donc, ça m'a permis de dire, allez, je prends le départ. Et ouais, non, après l'abandon pendant la course, à vrai dire, ça s'est vraiment bien passé pour moi parce que ça a roulé assez tranquille. Donc, de ce point de vue-là, c'était bien. Hier, tu n'avais jamais autant souffert sur un vélo. Aujourd'hui, c'était comment? Bah, aujourd'hui, c'était vraiment légèrement mieux, pas beaucoup, quoi. Non, j'ai galéré aussi, je pensais que je serais un peu mieux. Et au final, ouais, c'était quasi pareil qu'hier, donc non, encore une journée galère pour moi. Tu peux nous raconter un peu dans la journée, notamment le moment où on t'a vu décrocher, tu étais encore loin de l'arrivée? C'est sûr, il y avait quand même 60 km, mais 60 km pour aller à l'arrivée, je me suis dit, bah là, je suis un peu mal. Mais bon, après voilà, j'ai trouvé du renfort, je savais que Marcel Kittel il allait sûrement sauter aussi, puisque lui pareil, il est un peu malade aussi. Puis voilà, je suis revenu sur ce petit groupe et puis ça m'a permis de rallier l'arrivée en étant dans les roues et de dépenser le moins de force possible parce que je pense aux autres jours et voilà, il y aura des jours meilleurs, c'est certain.